en direct de Bamako. Et c'est aujourd'hui que se clôture dans la campagne concernant le vote sur le référendum constitutionnel. Derrière nous, c'est bien sûr le cortège du président de la transition du côté du Mali, le président Assimi Goïta, qui était donc au stade pour parler bien sûr à son peuple, pour convaincre son peuple, mais certainement pas besoin, comme vous pouvez le voir à travers les images. Le oui semble bien sûr majoritaire. La population est descendue fortement dans les rues pour saluer le président Assimi Goïta, comme on peut le voir à travers ces images-là qui défilent et qui circulent, la population qui salue bien sûr le président de la transition malienne, Assimi Goïta, qui sort donc, on peut voir à travers les images, la population qui salue bien sûr ce projet du président malien. Il se pourrait en tout cas que le oui ne souffrira de rien. Les Maliens vont bien sûr voter pour le oui pour un référendum constitutionnel. Nous aurons bien sûr les détails dans nos prochaines éditions. Donc nombreux, comme vous pouvez le voir à travers ces images, à être sortis, répondre massivement, on peut dire oui en ce qui concerne ce référendum constitutionnel. On rappelle qu'il va se dérouler le 18 juin prochain, c'est-à-dire dimanche, pour voter pour un oui massif, comme vous pouvez le voir d'ailleurs à travers les images, les populations qui abordent d'ailleurs des t-shirts pour dire oui, oui, parce que ils veulent bien sûr le changement, oui parce qu'ils croient en cette nouvelle constitution, oui parce qu'ils croient en l'avenir du Mali, oui et surtout parce qu'ils croient au projet du président Assimi Goïta. Ils ont donc répondu oui, présents majoritairement, ils sont nombreux, pratiquement toute la population de Bamako s'est retrouvée du côté du stade du 26 mars. On a pu le voir à travers ces images, une couverture qui sera faite bien sûr par For You Media Africa, ici en direct de Bamako, Sikin, Doumbé, Mbala et bien sûr Chancelin Fekou.